Salut tout le monde, c'est Mistol, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur du FIFA 16 pour de l'achat-revente. Pour une technique très simple, il suffit de la Tech Your Steal. Donc beaucoup de gens connaissent cette technique là. Donc c'est une technique spécialement pour ceux qui ont un petit budget. Quand on se fait en moyenne 80 de bénéfices par carte. Donc c'est très simple, il suffit d'avoir en enchère des cartes style qui marchent bien à 150 crédits. Et voir lister à 250 pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps. Et pour ceux qui ont le temps de faire de l'achat-revente, vous relistez à 300, 350. Donc comme moi je fais, voilà. Et ensuite je reliste tout ça à 250, voilà. Donc moi j'en ai vendu vraiment pas mal. Donc les cartes style qui marchent vraiment le mieux, c'est Vista, Canonnier, Hug de Linge, Sniper, Finisseur aussi. Par contre, donc voilà. Donc là, vous allez vous chercher des cartes à 150, hop, vous mettez une offre, après vous recherchez. Voilà, vous cherchez. Vista qui marche bien, comme le canonnier, tout ça. Par contre, les cartes à éviter, bah, c'est les cartes de défense, de gardien aussi qu'il faut éviter. Donc hop, vous mettez 150 ici, là vous cherchez tous les... Du carte style que vous pouvez mettre une offre là comme ça, Vista, tac. Donc vous faites en moyenne 3 offres par carte, voilà. Ensuite vous changez, là on était Vista, donc là on va changer. Donc là voilà, toutes les cartes de défense faut éviter, comme Sentinelle, Gardien aussi, comme Mur, tout ça. Bon après pour ceux qui ont, si vous voulez des cartes comme Chasseur aux Ombres, c'est plus compliqué, c'est même impossible d'avoir des cartes comme Chasseur à 150. Parce que ça coûte énormément cher. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est les cartes moteur, artiste, rock, tout ça. Donc voilà. C'est moi, je dis ciao tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao tout le monde.